saviez que choc.ca, ce n'est pas que du podcast? C'est aussi 5 chaînes musicales 24h sur 24 pour vous accompagner partout. Rock, indie pop, hip-hop, musique francophone et musique électronique en écoute gratuite et à volonté. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site de choc.ca sur l'onglet chaînes musicales. Hey, it's Alex from Metz and you're listening to CHOQ Montreal. Ah ben. Ça, c'est de la musique. Ah ben, toute la gang est là. J'avais oublié de partir le live Facebook, mais là, je pense, c'est fait, c'est parti. C'est ça qu'on écoute. C'est ça qu'on écoute, c'est là, ça décider. Lâchez-moi la Isabelle Boulay, là, au cégep, là. C'est sûr. Ça, c'est de la musique. Ça, c'est de la musique. Kiss! Décider, on est très contents. 8 millions d'émissions, il fait beau, il fait chaud, c'est l'été, c'est l'hiver. Yes! On écoute ça à toutes les saisons, on a toujours du plaisir. Écoute, je suis très privilégié parce que j'ai avec moi Maxime Gervais qui vient de lancer un album. Oui, puis je l'ai rattrapé. Oh, tabarnak! Oh! Hey, là, aide-moi, là. J'essaye à matin, là. Ben oui, c'est correct. Puis on a avec nous... I am Phil Spector. Oh! And I am here for Maxim. Because he out album. Yeah. And he out album. Out album. And I will... He out album. I will to produce this album. Because I'm Phil Spector. Start my tune. Vous êtes pas en prison? Oui, attendez un instant, je pense la sortir. This song is for me. Yes. Yeah. I will listen a little bit. Listen. Wow. Yeah. Yeah, I'm in jail, but it's okay. It's okay for this morning. Yeah. Je sais pas compris ce que vous venez de dire. Tu peux sortir quand tu veux de temps en temps. I am in jail for murder, but it's okay if I'm here. No problem. No problem. No problem with that. No problem. Tu peux sortir. Yeah. Ben essentiellement, vous êtes pas en prison. Inspecteur. Avez-vous amené votre gun? Yeah, I have my gun. Big gun. And Al Pacino do me in the movie de David Mamet. Yeah. Est-ce qu'il vous laisse votre arme à feu en prison? Yeah. Ah ouais, hein? Big party. Big party, long time. Vous avez droit à votre gun. On a un appel, désolé. Oh. I am Phil Spector. Décidérez. Oui, allô, c'est LinkedIn. C'est qui? LinkedIn. Le réseau social préféré de tous. Ah, ouais, LinkedIn, ouais. Comment allez-vous? Ben, ça va bien, vous? Oui, ça va. Je vous vois pas. Vous êtes où? Ben, vous voyez pas le Facebook Live? Non, je vois pas vos profils sur LinkedIn. Ah, c'est pardon. Je pensais que c'était Lipton, la soupe. Non, Lipton. LinkedIn. Non, c'est le réseau le plus populaire. C'est bon, hein, de la soupe. La soupe, hey, Lipton nous a... I'm Phil Spector. Ben oui, Phil Spector. Je vous ai pas vu sur LinkedIn. C'est parce qu'il est... No, because I'm in jail. With ouais, mais Ernest. Pas ça pour votre profil LinkedIn, là. C'est pas écrit, ça. Le jail, le meurtre, c'est pas écrit. Faut l'écrire sur LinkedIn. Qui se sert de LinkedIn? Writing the song for John Lennon. Fait fuck LinkedIn. Je pense que c'est un réseau social qui est centré sur ton CV professionnel. Ben okay. C'est ça, mais là, comment vous faites pour parcourir votre parcours professionnel si vous êtes pas sur LinkedIn? Ben, j'utilise mes mémoires, mettons. Yo, I look my bank count. Ton compte de banque? Yeah! Ben merci beaucoup, les milliardaires! Il a l'air d'aimer la vie, LinkedIn. Ah, il a l'air de bonne humeur. Ben oui, c'est vrai qu'il LinkedIn. Ben, on va y aller.
On va vous nourrir. Merci beaucoup, LinkedIn. Merci. Ben, je m'attendais à ça. LinkedIn, c'est de même que ça se dit, j'ai jamais... Je sais pas, il y a personne qui est là-dessus. Je pense que j'ai accidentellement deux comptes LinkedIn que j'ai jamais utilisés. Ah, Ben, oui, je sais. Fait que c'est ça. Donc, je déciderai cette semaine. Ouais. On va maintenir une belle tradition qu'on a à l'émission. C'est que j'aime ça beaucoup qu'on fasse une émission qui est centrée sur le nouvel album de Maxime. Quand il sort un album. Effectivement, et tu as sorti l'album. Écoute, comment il s'appelle? La nouvelle forme de joie. On a un autre appel, excuse-moi. Bon. Tabarouette. Déciderai. On les prend. La course Kimi Schumacher champion. C'est qui ça qui appelle? Je sais pas. Parce que ça, c'est un vieux souvenir de mon enfance. C'est que je l'ai peut-être déjà raconté ici, sinon c'est vraiment weird que quelqu'un appelle pour dire ça. Parce que, tu sais, chez nous, on avait une cassette. Il y a quelqu'un dans ma famille qui avait une caméra vidéo puis qui filmait les parties de famille, mettons, de Pâques, là, pis ces affaires-là. Oui. Pis il y en a un que c'est en train de filmer mon grand-père qui tient deux de ses petits-enfants. Pis t'entends au fond mon oncle André qui dit « La course, c'est fini! Schumacher champion! » Pis t'entends ma grand-mère qui fait « Hein? » Pis cette phrase-là est comme devenue, tu sais, comme mythique dans ma famille, là. Commence par la gauche. La course, c'est fini! Schumacher champion. Hein? Là, je casse le personnage, mais c'est pas grave, tout le monde sait que c'est un personnage. Mais son père, ben, dans une vidéo de fête à Dominique Gervais, le grand frère à Maxime, il est une... Mon frère, il ouvre une carte de fête. Puis t'entends mon père qui dit. Commence par la gauche. Commence par la gauche. Puis mon frère, il reçoit un ballon de football. Puis d'un de ses amis, puis t'as cet ami-là qui fait comme. Là, mon frère, il fait ah, un ballon de football. Puis t'as son ami qui fait non, c'est pas ça. C'est un ballon, faut que tu sautes dessus. Puis là, il se met à sauter comme à pieds joints sur le ballon de football. Puis tu sais, personne comprend. Puis là, t'as les parents qui sont comme mais non, c'est un ballon de football, ça. Hey, j'ai reçu un bon coach. Non, Dominique, c'est pas un coach. Ouais. Parce que le coach, c'est une. C'est une pente qu'on doit monter. Ouais, c'est ça, ton moment. Mon frère reçoit un manteau. Là, j'ai l'impression de juste répéter. Mon frère reçoit un petit jacket. Il dit ah, hey, coach! Puis t'as son ami, tu sais, le bolé de la classe qui est comme non, Dominique, parce que un coach, une côte, c'est une pente sur la route. En tout cas, ça nous fait bien rire. Ben non, ben je doute pas. I'm Phil Spector. Ben oui. Ben... Puis à la fin de cette party de fête-là, mon frère reçoit un bicycle qui est comme ben trop grand pour lui. Les deux pieds touchent pas à terre. Puis là, t'entends, je pense à mon père qui dit ah, oh, dans 6 mois, il va être ben correct. 6 mois. Ben, ce qui était pas faux. Ben, c'était pas faux, effectivement, on comprend. Ben, les papas pensent comme ça, hein. Yeah. Un peu. Alors, comme je mentionnais, tu as sorti un nouvel album, ton 9e album. Mon 9e album. Qui s'appelle Une nouvelle forme de joie, c'est exact? C'est exact. Oui, voilà. Ben évidemment, on va commencer par le début, bon, on se rend jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui est la genèse de ça? Est-ce que c'est un peu été inspiré par justement le confinement, les événements récents? Oui, ben à base, mettons, avant le confinement, j'avais déjà commencé à travailler une couple de tunes, puis qui était vraiment plus dans un esprit, tu sais, punk, très ouais. négatif, très sale. Là. J'avais ouais. une tune, entre autres, qui s'appelait « Nos enfants seront cannibales », puis qui parlait que, tu sais, avec l'espèce de chute de la civilisation, ben, un peu à la manière du film ou le livre The Road, là, ouais. les gens vont devenir cannibales. Puis tu sais, c'était vraiment dans cet esprit-là de genre « crise de place de marde ». Puis là, quand le confinement est arrivé, tu sais, il se passait tellement rien, puis je m'ennuyais tellement, puis j'ai comme réalisé que, hey, je pense qu'en ce moment, c'est pas tant de ça que les gens ont besoin, puis moi non plus, c'est pas de ça que j'ai besoin. Fait que ça a comme amené une nouvelle vague de tunes. Puis je pense que la première, c'était Autocombustion, tu sais, une genre de vague vraiment plus party. Qu'on a écouté la semaine dernière. Ouais, ouais. Fait que je te dirais que c'est un album que, oui, est teinté par le confinement, puis tout ce qui se passe, mais, tu sais, plus dans l'esprit de l'album ouais. qu'un album. Je voulais pas un album qui parle de confinement, mettons. Là. Non, bon, ça aurait pas. Je pense que personne ne veut ça. Mm. Mais je te cite. Dans les derniers mois, j'ai senti que je me transformais. Je ne sais pas trop en quoi, puis je sais. Excusez-moi. Je sais pas trop en quoi, puis comment je l'ai senti. Peut-être que j'ai juste vieilli un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? J'avais amorcé
cette réflexion-là, décidérant, en fait, il y a quelques mois, ouais, où j'ai pris comme une fin disait, d'émission. Ça me disait quelque chose, oui. Ouais. Quand tu parlais que tu te sentais tout d'un coup devenir adulte, en quelque ouais, sorte. Ouais, ouais. En vrai, ce moment-là, on le pogne jamais, mettons, là. En tout cas, dans notre cas, à nous trois, ouais. mettons. Là. Non, mais l'espèce de joint que je me vois peut-être plus comme un espèce d'adolescent, puis comme... vraiment un adulte. En fait, c'est plus... la manière que je le sens, c'est plus comme une libération de... Tu sais, quand t'es plus jeune, t'as comme un peu une pression d'être cool ou de fitter dans ce qui se passe, puis d'écouter ce qu'il faut quand il faut, puis de ouais. t'habiller d'une... On dirait que ça, je sais pas, je le sens plus. Puis, tu sais, le confinement, ça a peut-être accéléré ça, vu que là, t'es chez vous, puis tu dois plus rien à personne. Bon, on a tous vieilli 10 ans cette année. Hein, ben chose. Ouais. Ouais, ouais. Hey, Maxime. Yeah! I kill somebody. Ben, c'est sûr que... Yeah! Cool. Puis, oui. Tu sais, mettons dans l'expression une nouvelle forme de joie. Ben, que c'est j'ai, sûr que j'allais te demander la signification ouais. du titre, en quelque sorte. Là. Ben, il n'y a pas tant. Je vais juste installer de quoi avant. C'est que, tu sais, les paroles de cet album-là, souvent, ce qui arrivait, c'est que j'avais mes maquettes de tunes, juste la musique, puis là, je les écoutais comme en loop, souvent le matin avec le soleil qui se lève. Puis je tombais d'une espèce de, pas de transe, là, mais tu sais, un peu dans l'une, à rêvasser. Puis à un moment donné, il y a une phrase qui sortait, puis tu sais, j'essayais de pas la réfléchir, puis de pas la questionner, puis de me demander, ah, fais-tu vraiment dans l'esprit de la toune? Fait que je partais avec ça, puis mettons, à un moment donné, il est sorti la phrase, une nouvelle forme de joie, puis j'ai fait comme, ouais. ah, ça sonne bien, puis j'aimais le côté que ça sonne comme de quoi de positif, tu sais, ça parle de joie, mais en même ouais. temps, une nouvelle forme, tu fais, tu sais, il y a un côté qui sonne un peu extraterrestre, un peu, ça sort de où, ça, un peu comme... quelque chose qui prend possession de toi, qui te contrôle, puis j'aimais ça, l'espèce de message contradictoire de, tu sais, c'est positif, mais en même temps, il y a de quoi d'épeurant là-dedans, là. Il y a de quoi d'étranger, tu sais. Oui, effectivement. Ah, bah, c'est très bien résumé, effectivement, ouais. quand même. Puis sinon, ben, on a parlé un peu des thématiques, mais ben, plutôt du titre, mais il y a le son, évidemment, qui a changé. Tu changes souvent de sonorité d'album en album. Est-ce que c'est possible? Ouais, ben en fait, je pense... Mettons, comme Slacker est plus, comment dire, folk, mettons. Ouais, un folk garage folk. Là, garage mettons, folk, puis là... Weezer. Yeah. comme Weezer. Michel 2 est plus électro. Ouais. Puis là, celui-là, ben, je pense que plusieurs personnes font le parallèle. Ça fait très Andrew W.K. Est-ce que c'est possible? Ouais. Moi, la manière que je le vois, j'ai l'impression que c'est un peu comme la continuité de La Magie. Sur La Magie, c'est niaiseux, là, mais dans mon talent de mixer des trucs puis d'enregistrer des trucs, tu sais, je le peaufine puis c'est autodidacte, là, fait que je pense ben ouais. juste que je commence à comprendre un peu mieux comment ça marche, fait que la manière que je vois... Ben, ça sonne en crise quand même, t'as fait ça tout chez vous? Ouais, ouais, vraiment. Ok, mon Dieu. Ouais, mais c'est ça, c'est que j'ai comme compris qu'est-ce qui sonne bien puis qu'est-ce qui sonne pas bien puis qu'est-ce qui... Ouais. No, I mean, come to Hollywood with ouais. me, Ellie. Oh, je sais pas, là, Monsieur yeah. Spector, là. Vous me faites... Vous avez l'air instable. Pour ceux qui écoutent le Facebook... Oh, non, 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 non. La plupart des gens nous écoutent en audio seulement, là, mais pour ceux qui écoutent le Facebook ouais. Live, Phil Spector a une perruque. Il s'est mis une perruque différente. Like I'm my criminal? Yes. Ah oui. Ben oui yeah, ça. I have a perruque... each time different. Ah oui. Yeah. Il n'y a pas un moment donné où vous aviez une grosse afro, là. Ben ça, oui. c'était drôle. Ouais, yeah, yeah. Décidérez. Oh. Oui, salut Maxime. Salut. C'est le gardien de sécurité de choc.ca. Ah, oh. Salut. Ça va? C'était juste pour... Ben oui, c'était juste pour te dire que j'ai acheté deux grosses quilles de 10% puis je t'attends en sortie. I like this guy. C'est beaucoup le gardien de sécurité de choc.ca. I have my gun. Alors voilà, c'est ce monde-là qui appelle à Star. Hey, Maxime. Oui. Open your mouth. And I will put my gun in your mouth. Oh, peut-être plus tard. Okay. Je me suis un peu perdu dans mes questions. On en était à WK. Oui, le son. Ben, c'est le ça. Le son. Pour moi, une nouvelle forme de joie, c'est un peu comme la continuité de ce que j'avais fait avec La Magie, mais comme mieux, mais peut-être plus. Ouais, mieux maîtrisé, peut-être. Ok, d'accord. Mais ça sonne quand même pas de la même. Ouais, non, mais. Puis tantôt, on va écouter un extrait. C'est évidemment la meilleure manière de décrire les chansons, c'est de les écouter, là, évidemment.
Sinon, ben, c'est encore aussi pour la pochette une nouvelle collaboration avec Laurence Lemieux. Oui. Qui a fait de la pochette, justement, de la magie. Exact. It's beautiful. Ben, yeah. Oui, oui, super belle, en fait, la pochette. Et peux-tu nous décrire un peu le processus là-dedans? Oui, ben, en fait, c'est que, tu sais, moi, je travaille, j'ai tout travaillé ça comme tout seul dans mon bureau. Puis une des premières personnes qui a entendu le produit fini, c'est Laurence. Fait que, tu sais, moi, j'y envoie ça. Puis c'est comme bien excitant d'ouvrir cette porte-là à quelqu'un. Puis, elle l'écoute, puis après ça, on s'est fait un zoom où on avait jasé, tu sais. C'est weird parce que... Toute la nuit. Comme je disais, tu sais, c'est un album où j'ai essayé de réfléchir le moins possible. Tu sais, même il y a des tunes que j'ai sorties que je pourrais même pas t'expliquer de quoi ça parle, tu sais. Je trouve ça le fun que tout le monde peut avoir une interprétation différente. Il y a certaines chansons que j'ai pas encore complètement saisies de quoi qu'ils parlaient. Ben, tu sais, mais je pense ça négativement, bien ouais, sûr. Ouais, ouais. Mais tu sais, il y en a full. Tu sais, t'écoutes du Nirvana ou du... Neil Young. Ou, ben, je trouve ça bien, justement, c'est ça, effectivement. Tu vas plus dans le métaphorique, là. Ouais. Puis là, après ça, c'est dans l'interprétation personnelle de ce qu'on peut penser de ça. Fait que, bref, mon meeting avec Laurence, tu sais, c'est que pour moi, c'était à ce moment-là la première fois où je dois mettre des mots sur ce que j'ai fait, alors que c'est bien du feeling, puis ça s'explique à peu près pas. Fait que j'y expliquais ça, puis tu sais, ce qu'on en est venu à la conclusion, j'ai dit, ben, tu sais, j'aimerais ça une pochette que il y a. Un peu comme je disais tantôt, il y a quelque chose d'invitant, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait peur. Ouais. Puis je tenais à ce qu'il y ait comme un élément cosmique dedans, parce que l'album parle beaucoup de cosmos, ben, puis de exemple, l'infini. On va y aller avec, par exemple, un trou noir dans ma cuisine. Ouais, exact. Ouais, ou la pleine lune, ou les météorites. Ouais. Chulou. Pardon? Chulou. Cthulhu. Exact. Cthulhu. Ben oui. Fait que... I'm sorry, man. My French is not very good. Oh, c'est pas grave. Your English is very good. Vous avez d'ailleurs changé de perruque encore. Oui. Yeah. Enfin, on va mettre sa caméra. Ouais, fait que bref, on s'est laissé là-dessus sur une espèce de quelque chose d'invitant, mais qui fait peur en même temps. Puis elle m'est revenue avec ça. Puis au début, on se demandait si on mettait mon nom puis le nom de l'album dessus. Puis je trouvais que de mettre mon nom puis le titre de l'album, ça enlevait comme un poids à l'image d'expliquer quelque chose. Il y a un moment donné, Jean-Leloup qui avait pris la décision qu'on le voyait plus dans ses clips, qu'on le voyait plus sur les pochettes d'album. Finalement, je pense qu'il a pas maintenu cette décision-là. Ouais. Là, mais il y a un moment donné, j'ai entendu en entrevue, il avait dit ça puis ça m'avait marqué. Sur quelle pochette qui est pas? Only for me. Ah ouais, les fourmis. C'est comme la seule, parce qu'il est sur le don. Only les fourmis. The ant. The ant. Ouais, donc finalement, il n'y a vraiment pas de plus à parler. This is the ant. Mais ça fait... Only les fourmis. Fait que... Ben c'est ça, on trouvait de mettre le titre de l'album puis mon nom, ça... J'aimais mieux laisser les gens avec un... Arrange-toi avec ça, tu sais. Non, c'est ça. Ouais. Ça, c'est pour la pochette. Il y avait... là, je ne retrouve plus la ligne exacte, malheureusement. Mais on parle de bon, je ne retrouve plus la ligne exacte. Mais que ça avait été beaucoup inspiré par tes discussions que tu as eues avec Jack Dion. Oui. Jack Dion, qu'on a reçu à l'émission récemment, qui a illustré Alice. Bon, on est des amis proches, on le voit relativement souvent, on parle souvent avec lui. Mais comment ça, justement, t'as pris le temps de le remercier comme ça sur les discussions que t'avais avec lui, puis comment ça l'a inspiré l'album? Ben, Jake, c'est comme mon voisin, là, dans Schlager. On habite vraiment proche. À deux minutes de marche. Même moins que ça. Bon. Puis pendant le confinement, souvent, on se rassemblait dans sa cour en distanciation. Là, on respectait le 2 mètres. Puis moi, j'arrivais chez eux, mettons, avec un six-pack de 50. Puis on s'assoyait dans sa cour, puis on jasait. T'sais, ça pouvait durer 4-5 heures. Puis on jasait de tout jusqu'à temps d'être un peu sous puis de parler de Kurt Cobain, Weezer, puis Stephen King. Oui. Puis, on tombait souvent à parler d'horreur cosmique. Puis tu sais, Jake, sans vouloir y vendre de punch, mais Jake, il y a des projets dans un univers d'horreur cosmique, mettons, puis il m'a comme ouvert à... Tu sais, je savais c'était quoi l'horreur cosmique. Ben, mettons, comment qu'on définirait ça, l'horreur cosmique? J'ai une petite idée, tu me le dis, puis j'ai une petite idée, mais... Ouais, ben, mettons... l'horreur cosmique, c'est un peu l'indifférence de l'univers envers nous autres. Tu sais, c'est que dans l'univers, il y a des forces qui sont pas contre nous autres, c'est juste qu'ils se crissent de nous autres. Oui. Puis mettons, dans l'œuvre d'un monsieur comme H.P. Lovecraft, on parle de Cthulhu, entre autres. Ben, tu sais, Cthulhu, c'est une espèce de créature d'un autre monde qui est immense, qui a des pouvoirs qu'on comprend même pas, en fait, que nous autres, on n'est même pas faits pour les comprendre. Like me. Like Phil Spector. Like Phil Spector, c'est ça.
Puis, ben c'est ça, c'est que Cthulhu représente cette indifférence-là de l'univers. Tu sais, c'est comme des entités qui sont tellement puissantes, mais à un point où on peut même pas comprendre ces puissances-là. Puis c'est pas qu'ils sont contre nous autres, c'est qu'ils s'en crissent de nous autres. Là. Ils pourraient nous balayer, puis ils s'en foutent. Un peu comme nous autres. Comme un concierge frais. Si on pilait sur un nid de fourmis, tu sais, en marchant, on s'en contre-crisse, on l'a même pas vu, tu sais. Fait que c'est un peu ça, puis on finissait toujours par jaser de ça, tu sais, vraiment dans de la rêvasserie un peu sous, puis je sais pas, je me suis rendu compte, après coup, j'ai réécouté les tunes, je sais, il y a beaucoup de trucs dans cet album-là qui viennent de ces conversations-là, tu sais, puis je trouvais ça comme important de le souligner après coup. Ouais. Spoiler alert, tu nous as parlé que tu travaillais sur le clip de Je connais des vedettes. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu? Puis on va l'écouter après. Ouais, en parlant un peu, ben j'aime mieux pas vendre de okay, punch, c'est mais pas bouger. Ouais, parce que je pense que don't do that, Maxime. Ouais, c'est ça. Mais ça va revenir. J'ai envie de m'amuser encore avec mon green screen, mettons. Je veux dire ça de même. On va le dire ça comme ça. Ouais. Fait qu'on va l'écouter tant qu'en parler. C'était, je dois avouer, ben toutes les tunes sont bonnes, bien évidemment, mais c'est un petit coup de cœur de l'album. Ouais. Quand même, j'aime. J'aime l'aspect nihiliste, humoristique, ouais, que je retrouve beaucoup dans les paroles de Joël Martel, par exemple. Mmh. Parce que, tu sais, on rit de comment... Hey, on est rien, là. C'est rien, là, croiser une vedette. Là. Hey, j'ai vu... J'ai croisé Martin et Matt hier. On s'en calisse. Tu sais... Puis nous, dans le cadre... Phil Spector... Phil Spector... Non, mais il y en a que c'est plus impressionnant. It's hot. Oui. Now is hot for us? Yes. Oui. Oui, c'est sûr, là. Mais ça, il y a ça. Puis dans le cadre de notre travail, mettons, ben, on croise un petit peu tout le monde, mettons. Puis tu sais, ça crisse rien, là. Ouais, ouais, puis je trouvais ça drôle. C'est ça que je ressentais, mettons, que tu essayais d'exprimer un peu. Ouais, ouais, ben en fait, puis ce que je voulais mettre en relief, c'est, tu sais, de se trouver cool parce que tu connais du monde, tu connais d'autres mondes. Ben oui, ben c'est pas toi qui es cool, là. Puis ce qui est drôle de ce tune-là, c'est qu'elle se démarque un peu de l'album parce qu'au début, je voulais pas de tune humoristique comme je fais d'habitude. Là, j'avais remarqué effectivement qu'il était, c'est mettons, la toune un peu humoristique. Ouais, c'est la toune où il y a comme un point drôle, là, tu sais. Ouais. Les autres, je me suis vraiment éloigné de ça, mais je l'ai comme enregistré, puis là, je savais pas si j'allais la garder, puis j'ai fait, ah ben tiens, musicalement, je trouve qu'elle fit. Puis, tu sais, c'est correct de rire pendant 4 minutes sur un album. Oui, absolument. Ben, à cause que tu me dis ça, tu me fais réfléchir, puis peut-être j'en mettrai en plus une autre plus tard pour justement qu'on démontre tous les aspects de l'album. Mettons la pleine lune, yeah, peut-être, un truc comme ça. Bon, ça. Ouais, ouais, on checkera ça. On va y aller avec Je connais des vedettes. Ah, puis, hey, je veux juste dire en la réécoutant, je trouve tout le temps qu'elle a un petit mot de Blood on Gang dans la musique. Tu checkeras ça. Ben, c'est bien. C'est un bon parallèle. Désolé. Alors, je connais des vedettes par Maxime. Des assos. Scandale qui sort, j'enlève ton nom de ma chanson. Ça va se faire ni vu ni vu.
Sébastien Girard, les deux luxes, Geneviève Schmidt, Daniel Grenier, François Bellefeuille, Murphy Cooper, puis Gabriel, les Lotitlés, Christine Morancy, les Denis, Rosalie, Arnaud Soli, les comédiens de la petite vie. Non, ça c'est pas vrai, j'ai menti. C'est une toune, toi. Oh boy! Ouais. Oh non, ça recommence. Non, non, non. I can buy this anywhere. Non, non, commence pas. Yeah. Non, non. I can buy this song from Jill. Yes. Yeah. But Jill is not too... Monsieur Spector, je remarque que vous n'avez pas les mêmes cheveux. No. It's okay. No problem. Ben, attends, quand même, on parle à Maxime, mais on a fait le Spector. Ben oui. Quand même. Yeah. Comment se passent vos journées? Oh, you know... I'm in jail. Ben, pas là. No, because I couldn't... I buy an old in my room. Pardon? I have a old in my room. Old? J'ai sincèrement pas compris. Un vieux? Old. Old? Hein? H-O-L-D. Non, je pense pas. Like Shawshank Redemption. Old. H-O-L-E. Old. So, L-D, I can escape from my room. OK. Come back again. Come back again. It's OK. Puis, est-ce que vous avez fait le trou avec votre arme à feu? Yeah, of course. Moi, ça, c'est une histoire de Phil Spector qui m'a... Ben, on va... Je trouve tellement que c'est triste, l'histoire des Ramones, que... Tu sais, les Ramones, leur rêve, ça a toujours été d'être dans le Billboard, au top du Billboard, d'avoir un numéro 1, un hit. Puis, tu sais, ça s'est pas passé avec les premiers albums. Puis, à un moment donné, ils ont fait comme, hey, là, faut changer la recette. Puis, ils ont décidé, ils ont fait, on va faire appel au gars qui a travaillé avec les Beatles, Phil Spector. Fait qu'ils se rendent dans le studio avec lui. Oh, ben, Phil s'en souvient. Ça devient un esti de cauchemar de... Il fait reprendre pendant 3 heures le même accord de guitare à Johnny Ramone. Puis je sais pas si c'est à ce moment-là, mais il y a un moment où ça allait pas à son goût, fait qu'il a sorti un revolver puis il est menacé de les tirer. Yeah, I do that. That's what I do. Je vois qu'il y a plein de monde qui chine pas, c'est qui Phil Spector. I think very, very people don't know me. Oh, Phil. Il y a quel âge, Phil Spector? Vous faites un ACV. Take that dirt. But because in jail, we don't speak more like that. Ouais, ouais. So my English is a little bit usé. Vous avez 80 ans. Yeah. Ah. Et puis les photos, là, il va pas bien. Là. Fait que là, mettons, vous quittez votre cellule. Qui se trouve où d'ailleurs, votre cellule? I don't know. Vous quittez votre cellule, puis vous êtes dit, je vais aller à DCDR. Ouais. Yeah. With le métro. C'est sûr. Eh oui. Ben, merci beaucoup, M. Spector. Ben, allez-y. I stop at the Place des Arts. Ouais. And it's down the good station. Ben oui. C'est de pérapé. C'est ça. It's not the good station. No problem. Yeah. Yes. But my friend is a French guy. Un guignol. Say to me, un guignol. Oui. Say to me, go to the Place des Arts. But it's not the good station. No problem. But it's okay. It's okay avec moi. Better than jail. Better than jail. Maxime, on va continuer avec des questions du public. Okay. On en a étonnamment beaucoup. Puis sont étonnamment pertinentes. Pas toutes, tu le sais bien. Mais on va y aller. Je vais sans aucun ordre. Fred Jobin, pardon, demande, la baleine bleue revient souvent dans son œuvre. Est-ce qu'il considère que cet animal est son guide spirituel? Très
très bonne question. La baleine bleue, ben oui, c'est vrai que j'utilise souvent l'image. Ouais. Pour moi, ça représente la rêverie, je pense. Ça représente c'est tellement un animal qui est gros. Et ouais, rare c'est et rare, mythique, tu sais. Ouais, je comprends. Pis c'est tellement, il y a de quoi, souvent j'écoute des vidéos de baleines bleues, pis c'est tellement immense. Il y a de quoi de ça vient d'un autre monde, tu sais. Ouais. Puis, ouais, pour moi, tu sais, ça se déplace lentement, ben rapidement, mais lentement. Là. Ça bouge lentement. Tu sens toute la grâce. Ouais, tu sens tout son poids qui est à l'œuvre. Puis, pour moi, ça représente, c'est ça, un monde de rêverie, comme ben chill. Mais fantastique, là. Like Toulou. C'est quoi ta toune avec les baleines? Oui, en quelque sorte. Avec les baleines bleues, là. C'était bon, ça. Je l'ai utilisé souvent, mais je pense que c'est dans Laisse-moi dormir. Oui, c'est ça, là, que je pensais. C'est à celle-là que je pensais, effectivement. Oui, c'était belle chanson, là. Ah, t'es fin. Ça fait plaisir. Elle est encore belle. Elle l'est toujours, effectivement. Merci, Monsieur Spector. Murphy Cooper dit ta chanson Je connais des vedettes me rappelle beaucoup celle de Kevin Parent où il nomme des vedettes en rafale. Ma question, graines-tu? Non, je graine pas. Non, ben, j'ai jamais fait ça. Je pense que c'est pas très commun. Non, mais j'aurais, tu sais, mettons d'un party en 2003, ben ouais, c'est le genre d'affaire que j'aurais pu faire. Ouais, on est mais j'ai jamais fait ça. But ben, you put your hand on the ass of your friend the Messi. Always. Plus à cette heure, mais j'ai souvent pincé les fesses. Non. J'ai souvent pincé les fesses. C'est pas la même chose, tout de même, soyons conscients. Mais peut-être j'irai avec le deuxième volet, le premier volet plutôt de sa question. Ah. Sur, ça fait penser à la toune de Kevin Parent, ce qui est numéro des Oui. Ouais. Ben oui. Ben oui. Non, okay, ben c'est pas vraiment une question. quel drôle de toune, ça. Hein, que c'était. Ah, c'était drôle, ça. C'est juste la pointe de l'iceberg. Eric Lapointe, Pierre Lapointe, Stéphanie Lapointe. I produce this song. vous avez produit ça? Yeah. Ah, ben bon Dieu, Seigneur. C'était comment? Kevin put his dick in my coffee. But he's brûlé au deuxième degré. Mm. C'est sûr. He's a brûlé au deuxième degré. Yeah. No problem. No problem. No problem. Fred Juer demande, il y a plusieurs questions en fait. Hey. On ressent sur certaines tracks le côté punk. Ben là, il y a beaucoup de questions un peu qui sont des variations sur ces questions-là. Là. Oui. On ressent sur certaines tracks le côté punk. Quel groupe punk des années 90 peuvent l'avoir inspiré? Je pense que j'en ai déjà parlé à des Sidérés, là, mais pendant le confinement, je prenais des marches puis j'écoutais j'écoutais des albums que j'avais jamais écoutés ou jamais bien écoutés, puis j'ai eu une grosse pause NoFX en écoutant Punk and Drublic. Et je pense pas que ça se ressent tant que ça sur l'album. Je pense que sur l'album, mettons, la sonorité punk, elle vient plus, mettons, de Misfits ou les Ramones ou Andrew WK. Fait que je dirais que c'est pas mal ça. Sinon, je pense qu'il y a un côté Weezer qui est pas à négliger aussi. Ouais. Fait que qui me suit depuis comme tout le temps. Fait que ouais, je dirais que c'est pas mal ces bandes là. Mais tu sais, je pense pas que l'album sonne NoFX. J'irais plus Andrew WK Weezer, mettons. Ouais. Puis un est pas mieux que l'autre là, mais j'irais plus avec ça, me semble. Ouais. Weezer, c'est plus comme c'est plus pop, peut-être. Ouais. En tout cas, mais ben bon. Ouais, absolument. Ben oui. Puis une autre question très dure. Il dit, aimerais-tu faire des chansons tournées avec Joël Martel? Ben ça, on connaît la réponse. Tu l'as déjà fait. Chanson tournée avec. Ben, il a écrit chanson / tournée. Ah. Ouais, faire des tournées. Ouais, non, ok, moi aussi je l'ai mal lu. Je pensais qu'il voulait dire tourner un film avec lui, mettons. Ouais. Non, je pense qu'il voulait dire faire des tournées. Ah, une tournée, une tournée, j'adorerais ça. Faire des tournées avec, c'est sûr que c'est trippant. En même temps, il y a de quoi de. Tu sais, je suis fan de Joël, fait qu'il y a de quoi de le fun de le voir aller, tu sais. Ouais. Évidemment que j'aimerais ça travailler avec, mais j'aime tellement la attendre puis de voir ce qui sort puis être surpris que on dirait que j'aime ça, ce place-là de spectateur, tu sais. C'est comme une petite belle bébite à voir aller, là. C'est une bonne réponse intéressante, ouais. Ah, ça, Joël Martel naked once in a lifetime. Naked? Naked. Once in a lifetime? Yeah, but it's an accident. OK. Yeah, it's because I'm in
Joël Martel. Quoi? Guillaume. Ah, OK. OK. And the pool. The pool. Joël, jump in the pool. And Loss is a costume de bain. C'est-tu vrai, ça, ou... No. Ouais, OK, OK. Mais là, tu te demandes si c'est... Ouais, non, mais... Parce que Phil Spector est allé chez... OK, donc là, si on résume ce que vous avez... Ce que vous trois ouais, minutes là. À dire, c'est que vous êtes allé chez Joël Martel. Yeah. Il était dans sa piscine, puis l'avait vu accidentellement nu. Yeah, exactly. Parce qu'il a perdu son costume en sautant. Ben oui. But he have a big muscle. Oh. Il bon, y a un gros muscle. Je pense que... Thank you, Joël. Don't give up. Hi, Julie. Hi, Charlot. Don't give up because we have big muscle. Oh. Ben, c'est sûr. No problem. Voilà. Question relativement intéressante quand même. Giovanni Dubuc demande, est-ce que rétrospectivement, il accorde plus d'importance à la musique ou au texte, lorsqu'il fait ses chansons? Sur lequel de ces deux volets s'attarde-t-il le plus? Plus sur la musique, à cette heure. Ouais. J'aime ça quand la musique sonne bien, puis après ça, les paroles, je me laisse guider par la musique pour définir les paroles. Fait que c'est définitivement la musique. Ouais. Mais c'est drôle, c'est comme un questionnement que j'avais jamais eu. Mais vu que tu fais les deux, tu sais, c'est vrai. Ouais. La seule tune, je te dirais, où vraiment le texte, je l'ai comme, tu sais, travaillé comme on travaille un texte, là, mettons, là. Ouais. Parce que le reste des tunes, c'était vraiment comme plus instinctif. La seule tune que j'ai travaillé comme si j'écrivais un texte, c'est Bob Épine 2020. Ouais. Puis peut-être photosynthèse. C'est comme les deux que je me suis assis, tu sais, puis comme si j'écrivais. Comme si je voulais écrire un beau texte, là. Ouais. C'est celle-là parce que les tunes, ils ont comme un point, puis. C'est ça, c'est là où je voulais aller. Mais sinon, tu sais, comme même autocombustion, tu sais, l'idée m'est venue de une tune, je vais faire une tune. Je savais que le mood était Andrew W.K. Puis après ça, c'est ça, je cherchais comme un truc comme l'autocombustion. T'sais, c'est pas quelque chose qui est positif, mais de rendre ça festif. Fait que je cherchais quelque chose qui est désagréable, mais de rendre ça comme agréable. Puis à un moment donné, j'ai eu le flash, je pense, parce qu'il faisait chaud dans mon bureau. Ah, l'autocombustion, c'est une bonne affaire, mais tu sais, j'ai pas travaillé comme un texte là, pu finir. Oh, Phil! Phil, il a changé de coupe. Ah ben oui. Attends, on va le filmer. Pour ceux qui écoutent ça live. Ben oui, ok, c'est intéressant. Voilà. Tu mentionnes autocombustion, en fait. Les gens aussi ont des questions sur le vidéoclip. Je te félicite pour le vidéoclip. Il était bien fait. Ah oui, non, il est super le fun. Oui, it's a great videoclip. Yeah. And I just want to say Billy, the dog of Joel, I fuck him. Wow. Je savais pas que ça irait là. Wow. Fait que là, vous quittez votre prison par un trou. Ben, c'est illégal. Pour aller à Alma. Yeah. Pour aller enculer le chien à Joël. C'est tout illégal, ça. C'est tout illégal, là. Ben, attends, pourquoi vous accueilleriez pas un chien aux États-Unis, là? Ce serait moins. No, Billy. Ben, voyons. C'est sûr. Oui, comme je mentionnais, donc, ton vidéoclip autocombustion, que je te félicite. Les gens ont des questions. Xavier Landry, vous irez le voir. On a partagé juste la page de l'émission, je crois, la semaine dernière. Xavier Landry demande, est-ce qu'il s'est fait mal durant une mini-cascade? Étonnamment, non. Ouais, parce que c'est une suite de mini-cascades, le vidéoclip. C'est des micro-cascades. Ah, micro-cascades. Ouais, ben non, ben c'est correct. Là, ça sert à rien. Ça venait pas la même affaire, là. J'ai eu peur, par exemple, de me blesser parce que, tu sais, je suis actif dans le sens que je marche tous les jours, mais je fais pas de sport en tant que tel. Puis il y a vraiment des moments où j'ai eu peur, tu sais, genre sauter une bande de trottoir, c'est pas si pire. Mais là, quand arrivait le moment de jumper par-dessus un banc de parc, je sais pas si à l'écran ça a l'air d'être quelque chose, là. Mais tu sais, il y avait des 5 minutes où j'étais comme à 10 mètres d'un banc de parc, j'étais là, si. Tu sais, ça se peut que mes pieds accrochent dans le dossier puis que je me pète vraiment la gueule. Ben ouais. Puis là, il y avait du monde dans le parc, fait que tu sais, t'as comme un peu la honte de tu veux pas faire rire de toi. Fait que tu sais, j'attendais qu'il y ait pas trop de monde. Puis vraiment, le premier jour, je m'en venais en courant, puis là, rendu proche du banc, je freinais parce que j'avais comme peur. Tu sais, ça a vraiment l'air de rien, mais on est tellement pas habitué de faire des espèces de petites prouesses. Pour vrai, il y a des fois où j'étais terrifié, là. But who record that?
C'est moi, j'avais mon trépied. Yeah, c'est tout fait. Of course. Fait que le banc de parc, puis. Like Let It Be. J'ai tourné ça. C'est fait tout seul, Let It Be. J'ai tourné ça sur 2 jours. Le premier jour, j'étais vraiment terrifié par mes micro-cascades, puis ça a comme super bien été, puis je me suis comme surpris par mes capacités physiques. Okay. Fait que ouais. Le deuxième jour, j'avais vraiment une confiance de plus qui paraît comme à l'écran. Là. On pourrait dire qu'elle a été faite quand. Parce okay. que les derniers bancs de parc que je jump là, sont comme plus efficaces. Okay. Un peu. D'où. Fait qu'on, comme on découvre notre courage en quelque sorte. Oui, oui. C'est intéressant. I have a question for Maxos. Yeah. Do you have even fuck a dog? Non, jamais. No, because it's a lot of courage. Hey, puis... Le chien, il a beaucoup de courage. Ouais, non, mais c'est pas... Non. Ben, c'est yeah. I think it's the most courage thing I have ever done. Ça fait aucun sens. Il est blessé, cet homme-là. Il est malade. C'est un homme brisé. C'est un homme qui va pas bien. Non, c'est sûr. Je peux-tu... Hey, on parle de chien. Oui. Yeah. J'ai eu une réflexion, mais je vous avertis, c'est une réflexion weird. Là, pis... Oui. Bon, I think it's must. C'est au point où on en est, je pense. It's a little spot. Bon, tu sais, comme vous le savez, dernièrement, ouais. J'ai gardé une bergère allemande. Yeah. Puis, tu sais, c'est ça, c'est une. Elle a 11 ans. Puis, tu sais, veux pas. Good time. Yeah, no problem. Ça, c'est sûr. Mais il y en a que les chiens. Il m'est passé la réflexion de c'est weird là, mais de est-ce que elle, la bergère allemande, elle me voit comme un homme? Est-ce qu'elle nous voit comme quelque chose qui peut être compatible, mettons? Yeah, it's very compatible. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? Ouais, dans ouais, le sens que ben, moi j'avoue comme un chien. Là, zéro doute là-dessus. Là. Oui. Puis je me demandais, elle, à catches-tu l'espèce de genre, de distinction de genre et d'accouplement, mais qui est impossible? C'est possible. C'est possible. Ben, c'est possible. C'est pas pour qui est dans la pièce ici. C'était ma réflexion. Là, tu m'amènes un pont peut-être. Une nouvelle forme de joie, justement. Parle de. parle pas d'enculer des chiens, mais je veux dire, parle de supposons regarder. Ben là, je sais plus les termes exacts, je m'en excuse, mais mettons, regarder des images sans ses lunettes, puis découvrir comme un autre angle de notre perception de la vie, justement. Fait que c'est un peu dans le même ordre d'esprit, je pense. Ouais, ben oui, c'est bien dit ça. Bon, ben merci. Mais c'est le fun de changer son angle de vue. Non, il faut des fois, sinon tu rentres dans le mur. Mm. Et puis, ben, je voulais continuer avec autocombustion. Il y avait, Monsieur Spectre a changé de perruque. Il y avait avec autocombustion. Il y a aussi, encore une fois, il y avait Guillaume Boldoc. Je pense qu'il y a une scène qui a beaucoup marqué les gens. C'est la scène dans laquelle comment décrire ça? Tu te fais un drink maison. Ouais. Peux-tu me décrire, la question de Guillaume, c'était, est-ce qu'il a vomi après ça? Qu'est-ce que ça goûtait? Mm. Puis j'ajouterais, décris-nous qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis oui, effectivement, comment ça s'est terminé. Ouais. OK, c'est parce que je cherchais des exemples de micro-cascades que je pouvais faire, puis là, je me suis souvenu, tu sais, quand on était petit, on faisait ça, on se lançait des défis, qu'on faisait un verre avec plein d'affaires différentes qui vont pas bien ensemble, puis on le buvait, puis là, c'était dégueulasse, puis je me suis dit, je pense que tout le monde a fait ça ou à peu près, puis de juste le faire, ça donnera un bon moment dans le clip. Mais maybe inspired by. Je pensais que vous chantiez une chanson. Ça vous aussi. Maybe inspired. Maybe inspired by Early Beast. Ah ouais, peut-être. Ben oui, ah, j'avoue. Bon. Oui, t'apprécies beaucoup Ellie Beast. Hey, d'ailleurs, Ellie Beast, il y a. Pourquoi vous dites ça en temps? Moi, il me fait peur. C'est sûr. Ellie Beast, il a battu un nouveau record Guinness. Ah oui. C'est celui de marcher la plus longue distance pieds nus sur des Legos. Puis il a fait. Là, j'ai pas le bon. Mais je pense qu'il a marché 7000. Puis à la fin. Tu sais, c'est comme il s'est fait un espèce de trajet dans son garage, puis il fait des allers-retours dans un espèce de petit bac rempli de Lego. Je pense qu'il y a 10 000 Lego. Puis ça prend assez long. Là. Lui, il a fait un montage d'une heure en accéléré. Là. Puis à la fin, là, il a les pieds lacérés.
C'est juste du sang, là. Jésus. Ça n'a pas de bon sens, mais il a battu ce record-là. Puis tu sais, ce qui est plate, il dit, je sais que mon record va être battu dans un mois, mais il dit, au moins, j'ai détenu ce record-là. Ben, c'est déjà ça. Un saut! Un saut! Un saut about the drink! Excuse-moi, on a un appel. Oui, oui, oh, on reviendra au drink. Décidez, pas fond! Hey, bonjour, ça va bien? Oui, oui. Vous? Oui, merci. C'était juste un petit message pour Maxime rapidement. Ouais. C'est par rapport à son nouvel album, Autocombustion. C'était juste pour dire une nouvelle forme de joie. La chanson Autocombustion qui est sortie, c'est Entendre Pandémie. Ça fait beaucoup du bien d'entendre ça. Je pense que c'est devenu ma chanson préférée. Fait que c'était juste pour dire big love. Puis on a hâte de vous revoir, toute la gang, à la facture. Shut the fuck up! On vous a fait chier Phil Spector. C'est Phil Spector qui est choqué. Mais merci, t'es bien fait. Ton nom, c'est quoi, t'es? C'est Nicolas. Ah, Nicolas, ça va? Oui, toujours. Ouais, ouais, ben merci, c'est des beaux mots, puis c'est ben apprécié. Oui, c'est fin. Bon, on va venir, puis sinon, ben, on a oublié de plugger le Patreon. On a maintenant un Patreon, alors celui-là nous encourager. Mais on va revenir. Est-ce qu'il ferme son clap merde, là? Merci beaucoup, Nicolas. Vous avez choqué Phil Spector, mais Maxime apprécie vos beaux mots. C'est drôle. On dit-tu, maintenant, je finis le drink, puis après ça, on pourrait parler du Patreon? Absolument, absolument. OK. Fait que, bref, je me disais que ça faisait une bonne micro-cascade. Fait que, en gros, ce que je bois, c'est un mélange de, si je me trompe pas, c'est du lait d'amande avec de la sauce forte. Il y a de la sauce soya, de la vinaigrette, puis un peu de bière aux framboises. Puis du jus de pickle. Ouais, le jus de pickles, en tout cas. Ouais, ben je l'ai bu, j'ai pas vomi, mais ça a passé vraiment proche. J'ai eu le gag. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas tant que ça goûtait dégueulasse, c'est dans la tête, là. C'est le... Ouais, je comprends, c'est psychologique. But the beer is from la place publique. L'espace public. Ben, oui, une bonne bière aux framboises. Puis je te dirais que dans le mix, mettons, ce qui rendait ça vraiment pas bon, c'est la vinaigrette. C'était de la vinaigrette César, là. Ouais. Ça, c'est ça qui rendait ça comme l'espèce de goût. Parce que même le jus de pickle avec le lait. Puis la framboise, c'était comme pas si pire, là. C'était sweet, mais la vinaigrette, elle venait comme tout fucker ça. Ouais. I drink. Qu'est-ce que I drink poo dog. I drink poo dog. Yeah. Dog. Ça doit être dégueulasse. It's okay. Genre, il boit. Vous baisez des chiens pour vous buvez de la merde. I like dog. Dans les derniers mois, ça fait deux personnages qui mangent la merde. Maybe I'm a little tired from the pandemic. It's okay. And jail. C'est dur, la prison. We are all right. C'est sûr. Alors, c'est du pudding, mais c'est du pudding. Ça serait une bonne marque de pudding, le pudding. It's disgusting, I'm sorry. Ben, c'est sûr. Ça me lève le cœur. Moi, ces affaires-là, là, comme le gars qui faisait de l'urinothérapie, ça me lève le cœur. C'est dégueulasse. Pudding? Ah, oh, j'avais compris pudding. Oh, j'en ai mangé deux. Arc. Donc, voilà, ben, on a encore d'autres questions du public. Choose your dog. Ouais, oui, oui. On a d'autres questions du public, mais ben, notamment, on va y aller rapidement. Géraldine demande, est-ce que ton album vient avec des chaises? Non. Ben voilà, c'est ça. Alors, j'ai nous avec ça. Fait que, mais sinon, on voulait faire un pont avec... On vient fatigué. Poudog. OK. I drink poudog. Où on a un appel? Oh, bon. Non. Oh. Ça sera pas mieux. Mais c'est vrai. Ça arrangera pas. Hey, salut les gars, j'espère que ça va bien. Oui, toi. Ouais, tu donnes de gel? Hey, je voulais juste vous dire une affaire. Je sais que vous allez parler du Patreon dans deux secondes. Ah, oui. Moi, j'habite loin des grands centres, donc j'ai pas souvent la chance de voir les gars en spectacle, puis toi, Julien aussi, qui les accompagne. Fait qu'hier, je me suis abonné. J'ai mis le 5$ parce que je vous aime un peu plus que 3. Ouais. Puis c'est juste cool d'avoir du contenu parce qu'on n'a pas la chance de vous voir souvent. Fait que. Shut the fuck off! OK, Phil Spector. Ben, merci beaucoup, monsieur. OK, bye bye. Quand tu t'appelles? OK. C'est quoi votre nom? Hein?
Oh, Marc Olivier. Ben merci beaucoup, Marc Olivier, on l'apprécie énormément. Mais pas Phil Spector, mais nous autres, oui. Okay, ouais. Bye. C'est drôle, ça, le monde qui appelle à cette Je vous rappelle, je fais le tout pas les appels, je devrais pas le dire. Là. Ah, man. Fait que c'est ça. Alors, bon, qu'est-ce qu'on disait? Les Patreon, voilà. Oui. Ben, ça fait un bon pont. Merci, Marc-Olivier, pour ça. Ben oui. On va en ton album à la fin si on a un petit peu de temps encore. Ben oui. Mais on a commencé. Mais comment qu'on peut se procurer l'album? Il est disponible sur toutes les plateformes numériques. Si vous voulez comme m'encourager, je vous conseille d'aller sur Bandcamp. Là-dessus, vous pouvez l'écouter de manière numérique, puis vous pouvez comme l'acheter, tu sais, m'encourager, puis après ça, vous pouvez le downloader ou whatever. Vous l'avez dans votre collection Bandcamp. Mais tu sais, mettons que vous voulez m'encourager, c'est comme le meilleur moyen de m'envoyer quelques sous pour l'album. Fait que Bandcamp, Maxime Gervais. Une nouvelle forme de joie, mais sinon, tu sais, il est sur Spotify puis tout ça. Là. It's a very good record. Yeah. And, when I walk with my dog, I listen. Il pensait de meurtrier à un zoophile. Oh. Un zooscatophile. Mais bon. I listen always your record. And, Tantôt il salue Julie puis Charlot. La famille and est Billy. Il a enculé leur chien. Il a aussi bu la marque du chien. Ouais, c'est ça. I'm Phil Spector. Yeah. Ça veut dire qu'il était les Pic-Bois, voilà. Oui. Alors, les Pic-Bois et moi, je suis dans les Pic-Bois, on le sait pas. Bon. On a maintenant un Patreon. On a commencé ça. Oui. Go. Bon, yes. Go with your shit mouth. C'est rendu ça le personnage. Là. Bon, fait que nous avons donc un Patreon depuis, je crois, 4 jours, quelque chose comme ça. 3 ou 4 jours, puis vous êtes déjà nombreux. J'ai pas regardé ce matin, là, mais on est hier, presque à 450. Ah oui, tabarnak, ça, quand même. Ça, c'est fou, là. Ouais, oui. Tu sais, si je peux me permettre, j'ai créé le Patreon, puis tu sais, je pense qu'on s'attendait à ce que les gens soient contents, mais ouais, moi, oui. Tu sais, je voyais monter comme le nombre d'abonnés, man, puis ça m'a vraiment fait chaud au cœur de sentir cette espèce de vague-là, parce que je pense que, tu sais, les gens s'abonnent à notre Patreon, oui, pour le contenu qu'on va leur donner, mais je pense que c'est aussi comme un merci pour ce qu'on fait, tu sais, d'essayer des raids depuis des années et des années. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça m'a vraiment fait vraiment plaisir, là, tu sais, j'ai le cœur gonflé de cet amour. Oh, stop that. I cry. I cry so lot. I cry so lot. Ben oui, non, ben moi aussi, ça m'a surpris, je veux dire, je savais qu'il y aurait du monde, là. Je savais que nos fans nous aiment, tout ça, mais moi aussi, ça a vraiment largement dépassé mes attentes. Puis c'est aussi, ça nous embarque dans une nouvelle ère de créativité qui est très stimulante. On tient justement, parce que c'est difficile pour tout le monde. Fait qu'on a tenu à faire qu'il y a 3$ puis 5$, mais qu'il y a le même contenu pour les deux. Fait que tu sais, c'est un petit peu plus d'argent, c'est 5$. Si on aime un petit peu moins, c'est 3$. On va continuer de donner des sidérés, Bernatchez Joe, Box Office, ça va continuer d'être gratuit, puis d'autres surprises, je présume. Mais il va y avoir du contenu exclusif. Le 5 décembre, on va lire, c'est ça, c'est le 5 décembre? On va lire, ça va être live? Ça va être live, après ouais, okay. Ça, la vidéo va être disponible pour les gens qui veulent l'écouter. Alors, donc, le 5 décembre, on va commencer une tradition, où est-ce qu'on va revisiter nos shows mensuels. On va commencer, on se demandait dans quel ordre y aller, mais dans le fond, ben, vu que c'est Noël, on va y aller avec le Noël de Julien Bernatchez, qu'on a fait il y a 2 ans. En plus, à l'époque, je pense qu'on l'a fait peut-être juste à Montréal puis à Québec. Ben, je suis certain. On l'a fait juste à Montréal. Non, on l'a fait à Valleyfield, je m'en rappelle. Ah oui. En tout cas, mais bon. Mais ça fait 2 ans. Fait qu'on va faire une lecture de ça. Fait que vous allez pouvoir revoir ces spectacles-là. Ça va être du contenu exclusif. On va avoir un podcast aussi mensuel, thématique. On peut l'annoncer. Ça va s'appeler la radio étudiante des Pic-Bois. Puis ça va être audio. Puis ça va s'inscrire un peu dans l'univers du cégep en spectacle des Pic-Bois puis de la ligue d'impro des Pic-Bois. Fait que, tu sais, on va jouer des personnages qui font une radio étudiante. Ben oui. Je pense qu'on peut dire que Superdom en sera l'animateur. Oui. Fait que, mettons, si vous aimez les épisodes thématiques de DCDR, là, nous aussi, on les aime. Là, on en fait moins récemment, j'avoue, mais on aime ça, nous aussi.
Ça va être ça, là. C'est les épisodes, c'est un peu de la même chose. C'est dans ce même ordre d'esprit-là. Fait qu'il va y avoir ça, déjà, ces deux exclusivités-là à chaque mois. Puis par la suite, d'autres affaires encore. On va essayer de mettre du contenu à l'occasion. Puis sinon, ben, tout simplement, ben, vous nous encouragez parce qu'on n'a pas fait de scène depuis février. Peut-être mars. En tout cas, bon, depuis mars. Fait que si vous nous encouragez comme ça, fait que ça, c'est tout simplement ça. Fait qu'on l'apprécie beaucoup. Puis si vous n'avez pas les moyens, il n'y a pas de problème. Écoutez juste décider. Mais si vous avez un petit 3$, un petit 5$, ben, ça nous aide beaucoup. Puis on remercie tous ceux qui l'ont fait du fond du cœur. Moi aussi, ça m'a un peu chamboulé quand j'ai vu tout l'amour qu'on a reçu. Yeah, my friend Dom Massey too. Oh! Puis Dom Massey, semble-t-il aussi. C'est votre ami, ça. Yeah! Yeah! Alors, voilà. Oui. Qu'est-ce que vous... Ouais, bon, c'est ça. Quand on se dit, c'est ça. Là, let go. Là. Fait que, voilà, alors, si vous aimez ce qu'on fait, ça se trouve, sur la page des Picbois, ça se trouve sur ma page, ben, vous allez le trouver, ou sinon, écrivez-nous si vous le trouvez pas. Phil Spector. On n'a pas sa page de Phil Spector. Il est en prison. Puis, merci du fond du cœur à tous ceux qui participent, puis on va essayer d'être à la hauteur de votre amour que vous nous donnez. Oui. Alors, voilà, c'était le Patreon des Picbois. Il nous reste 4 minutes. J'ai d'autres questions du public, mon beau Maxime. Ben, où on y va avec une toune? Ah, qu'est-ce que tu préfères? It's a good... Mettons qu'on parle party, là. Parce que quand même, un album de party, j'aurais le goût d'y aller avec La Pleine Lune, comme t'as dit. Ouais, ben, je trouvais à quelque chose. OK, fait qu'on y va. I'm a werewolf. La Pleine Lune, qui se trouve sur Une Nouvelle Forme de Joie, le 9e album de Maxime Gervais, qui se trouve sur son Bandcamp. Alors, on va écouter ça. C'est la pleine lune, oui c'est la pleine lune, c'est la pleine lune, yeah.
Wow, ridicule. Dans les temps. Dans les temps. Ben, on avait calculé nos affaires. Ben oui. Oh, bon Dieu, ça se revient. Alors voilà, une nouvelle forme de joie. Maxime Gervais, son Bandcamp, ça se trouve facilement. Et si vous avez aimé ça, ben, si vous avez aimé ça, parce que c'est bon. Merci beaucoup, Maxime. Ça fait plaisir. Merci pour la belle entrevue. Ça fait plaisir, mon ami. Ensuite de ça, ben, il y a évidemment le Patreon des Picbois. Et la semaine prochaine, on se voit François Pérus. Je sais pas si vous le connaissez. Puis merci, Phil Spector. Ben, merci. Oh, excuse-moi. Merci, Phil Spector. Pout, pout. Ben oui. Il est malade. Puis les huit personnes qui ont appelé. OK, bye, à la semaine prochaine.